Coucou mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Richissime Archéologue. Et c'est bien, ce que vous avez vu, ce n'est pas un mirage, c'est bien un squelette. C'est Zigo, c'est le zigoto qui nous a accueillis ce matin, enfin aujourd'hui, excusez-moi, pour vous accueillir pour cet épisode. Cet assistant squelette que nous avons gagné grâce à une des reliques, voilà, que nous avons constitué. Voilà. Et on va continuer un peu à découvrir les reliques, puisque il va falloir raffiner du cristal et tout ça et compagnie. Et en essayant aussi de continuer de découvrir les mottes de terre et tout ça, sachant qu'on a déjà complété la collection de tous les trésors omnisquins. Non mais par contre, t'es bien gentil, mais voilà, à part faire le gogol avec tes os et bouffer tout ce qu'on a dans le frigo. Tu sais faire quelque chose d'autre, gars? Non mais c'est une vanne! Il va rebouffer! Mais il fait que ça! Après il fait des déchets dégueulasses de bouffe et puis il va le jeter. Et puis il retourne bouffer, il fait des déchets et il va les jeter. Il va rebouffer, il fait des déchets et il va les jeter. Tu parles d'un assistant, hein? On n'est pas sûr de le rappeler celui-là. Bon, Ayova, tu vas te réveiller? Parce que t'as Monsieur Exigo qui commence à faire chier son monde, là. Et qui commence à dévaliser tout ton frigo. Donc, si tu peux manger à sa place, ce serait sympa. Voilà. Merci, monsieur. Vous m'avez servi mon plat. Vous êtes un vrai bon assistant. Hein? Allez. Ça marche comme ça. Regarde, tu manges. En plus, tu as du social et tu te divertis avec ta télé. C'est pas merveilleux, Iowa? C'est pas le meilleur matin du monde, ça? Bah quoi? Il te fait des tours de passe-passe, ton nouvel ami. Oh là là. Allez, il y aura un pipi, une douche tonifiante. Ah, vas-y, il pleut en plus. Et tu feras un petit sport après. Pendant qu'Ayoa creuse et trouve des choses, moi j'essaye d'en trouver d'autres. Pour qu'il puisse creuser et trouver d'autres petites choses. Voilà, une opale de feu. Oui, mais je t'aime, Ayoa, quand tu me trouves des cristaux. Je t'aime. Regardez ça. Une pêche magnifique. Enfin, du pêche, enfin, je sais pas, pêche quoi. Et quoi? Une opale de feu. Mais Tom, tu m'en as sûrement déjà trouvé une. Donc on va pouvoir la raffiner. Ouais, ça doit être celle-ci. Oh, c'est trop cool. Mais vu que t'es encore énergisé et qu'il a arrêté de pleuvoir, petit jogging! Allez, amuse-toi. Ouais, parce que là, il est déjà presque 20 h et on n'a rien fait de la journée, hein, franchement. Oh, un oiseau préhistorique. On s'en fout, une moustache parfaitement préservée. On n'y est pas encore au truc là, à ça. On n'est pas encore à fond. Non, on n'est pas encore à fond, mais effectivement, l'oiseau préhistorique est une nouveauté. Il nous en reste que 4 dans les fossiles. Ah, ça commence à se préciser, ça c'est cool. Waouh, quel joli petit cristal! On dirait, enfin, ça ressemble à rien en fait. Tu vas le mettre dans l'inventaire. Est-ce qu'on a encore une relique? Il me semble que oui, hein. Celle-ci, elle l'a pas. Mais celle-ci, elle l'a pas non plus, hein. Allez, tu vas insérer le cristal d'opale de feu à celle-ci. Wow! Magnifique. Et ça veut dire qu'on va pouvoir l'activer sur. Bah, Maja le roi, je suis désolée pour toi, mais tu vas subir peut-être un truc très positif, on sait pas hein, pour l'instant, donc on va attendre. Et voilà. Père Horus et Père Ra et Père Solimifux. Maja a eu bon elle est disparue, mais elle a eu sa petite malédiction ou pas. Maudit, Aïwa a infligé un nuage personnel à Maja le roi. Cette malédiction va lui gâcher la journée. Oh, chouette. Je l'ai trouvée, Maja. Elle est là, avec son nuage. Oh, pauvre biche. Il m'a retrouvé une autre opale de feu. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est la fatigue. Oh non, mais l'autre, il s'est barré. Je suis sûre qu'il s'est barré. Pourquoi? Vous allez me demander pourquoi, tout le monde, tu peux savoir. Parce qu'il a laissé cette merde-là. Hein, dès qu'il mangeait, il faisait ça. Et là, il s'est sûrement barré. Il s'est volatilisé en laissant ses grosses merdes. Franchement. Voilà, manger, télé, tu vas aller pisser, et puis dodo quoi. Ça aurait été une fantastique journée et éreintante, n'est-ce pas, Iowa? Oh zut, c'est la fête des récoltes. Oh non, les nains commencent déjà à venir l'embêter. Oh, Phalangine est morte! Je savais bien que ça servait à rien de rester avec une vioque.
Il n'y a pas de raison de se laisser abattre, hein? On se fait un petit grand festin crinque pour nous, hein? Allez, on parcourt l'île avec notre assiette de jambon pour aller creuser des petits cristaux ou des petits métaux. Bah mon chou, ton jambon va être mouillé après, hein? C'est dommage. Oh, pas de bol, hein? Aujourd'hui c'est le jour des capsules. Ah non, mais franchement, l'assiette, elle va vraiment partout, quoi. Et même aux toilettes. Et quand tu vas te doucher, tu vas manger aussi avec ton assiette? Mais c'est qu'il m'a trouvé une hématite aussi, en double. Oh, quelle belle idée. Tu vas m'en faire une en raffinée. Et comme ça, on pourra essayer celle-ci qu'on a trouvée en or. Et voilà, deux cristaux raffinés de plus. Du coup, ça nous fait un d'avance pour une prochaine relique. Tu vas pouvoir insérer le cristal et en mettre l'hématite. De toute façon, ça n'a aucune incidence, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Oh. Waouh. Allez, allez, j'ai envie de l'essayer. On va l'activer sur... Oh, ma pauvre Nalani, je suis désolée. Elle fuit, Nalani, je le vois, elle est loin, elle fuit devant toi, elle a peur. Oh bah, elle s'est barrée, la saleté. Bon, tu vas... Non. Oh bah, allez, écoutez, on est joueur. Il va l'activer sur lui, tant pis. J'ai peur. J'ai peur. Père Horus et Père Ra et personne et mes fourches libé. Je ne sais pas c'est quoi les paroles, mais... Ah, oh mon dieu, je vais le tuer. Attendez, Iowa est voué à mourir par combustion. Une chaleur ancienne monte dans le corps d'Iowa. Gardez un extincteur à proximité et cherchez un antidote. Je le savais que ça allait être la merde. Attendez, les extincteurs, mousse anti-feu, j'en ai trois. Oh, mon petit Iowa, je suis dissouli. Après, voix mourir ou pas, tu vas me chercher encore des trucs, hein. Non, mais y a pas de raison. Oh, bah ça va, j'ai juste à débourser 1000 simflouz pour l'antidote. Bon, si tu me casses la douche aussi, ça va pas le faire. Allez, tu répares ça. Tu iras la nettoyer aussi. Oh mon dieu. Oh, oh, il a pas eu le temps. Et il recraquera. Oh, tu me... C'est bon, t'es plus voué à mourir, là? Si, encore. Ah ouais, quand même. Bon, bah, reprends une douche, quoi. Et puis, tu vas réessayer de prendre un antidote, parce qu'il a pas eu le temps, là. Bon, cette fois-ci, tu vas l'acheter, ton antidote? Ah, c'est bon. Oh, il avait un petit problème de réseau. Oui. À remettre Gauguin, oui, nous avons enfin l'antidote, c'est merveilleux. Il est où? Il est là, allez mon coco. Tu vas l'avaler, et puis après tu vas aller regarder un peu... Oh bah non, tu vas jouer, tiens, tant qu'on y est. Oula! Ça y est, il n'est plus maudit, poil ou zizi. Oh, c'est bizarre, hein. Oh mon dieu! Ah non, du coup il est en squelette lui aussi. Mais c'est n'importe quoi ce jeu. Mais que voulez-vous que je fasse, moi? Tu vas quand même jouer à Blick Block, mon chou, hein. Quand ma malédiction conjurée... Iowa a conjuré sa malédiction vouée à mourir et profite désormais d'une bénédiction qui l'a transformée en squelette. Ah ben voilà, il fait déjà le débile avec ses os. Mais il est... Tu me tues. Est-ce que tu veux... Est-ce que là, divertissement, c'est pas ça, mon coco? Il veut pas, car il veut pas jouer sur son PC, il veut pas... Voilà, regarde la télé, ça sera peut-être mieux pour toi. Bon, en refaisant le tour dans son inventaire, tu peux envoyer ça au conseil de géologie. Ça aussi, vu que c'est des métaux, comme ça me permettra peut-être d'avoir des nouveaux éléments pour mon tableau des éléments. Allez, vas-y, rappelle SOS Tristesse. Bon, comme il a plus aucun besoin, sauf le social, eh ben, tu vas travailler. Hein. Tu vas travailler, il y a de quoi faire. Hein. Donc, voilà. Tout ce qu'on n'a pas pu mettre en pratique et avancer ces deux derniers jours, tu vas le faire cette nuit. J'ai même pas fait gaffe, mais les gnomes, ils se sont réunis autour du jardin au final. Je me suis tellement pas occupée d'eux. Ah, oh, et puis tiens, tu pourras aller tout vendre aussi. Oh, on a encore eu le super vase qui manquait et tout. Bah dis donc. Bon, je le vends direct, hein, parce que son, on a fini la collection donc, et que je l'avais déjà. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on pourra plus se rincer l'œil pendant 2 jours, parce qu'il va être squelette pendant 2 jours. C'est frustrant. Oh, j'ai pas vu, on est monté à 32 000 du fond du foyer, là, à force de vendre et tout. Là, il a vendu les plantes et tout. Oh, mais... C'est bon, la richou, là. Tiens, tiens, le courrier était distribué. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Est-ce encore des choses à authentifier? Ou est-ce des nouveaux éléments à collectionner?
Oh, effectivement, c'était un nouvel élément. Ou pas? Il veut pas s'y mettre? Non? Bon, d'accord. On a celui-là aussi. Oui, celui-là, il passe. Nickel. Eh ben, c'était tout. Donc, en gros, lui, je les réessaye. Il veut pas. Le volanton, c'est ciao. Du coup, ça l'emmerde pas qu'il soit tout mouillé? Ben, ça doit ruisseler sur ses os. Ça doit pas trop le déranger, hein. Ah, mais c'est bien, il m'a trouvé un métal. Qu'est-ce que tu m'as trouvé? Oh, capsule. J'en peux plus des capsules. Et une pêche! Yes! Allez, un petit cristal, un petit métal. C'est pas que je suis relou, mais bon. Oh oui, une topaze orange, tu me fais plaisir. Allez, tu peux rentrer. Oh, SOS tristesse, hein. Ça marche bien ces conneries. Regardez comme ça descend vite. Ah, il va plus être triste, ça va faire un bien fou. C'est pas drôle, la bénédiction du squelette s'en va beaucoup trop rapidement. C'était 2 jours et finalement ça devient 6 heures en très peu de temps, hein. J'ai quand même pas beaucoup profité, hein. Oh, mais il y avait une relique que j'avais pas encore. J'ai pas encore mis de cristal dedans? Bah écoute, tu sauras quoi faire. Oh, il reste que 38 minutes, hein. Pff, allez, tu vas insérer le cristal. Bon, on retrouvera notre. Mais ça. Quoi? Mais pourquoi? T'en as fait quoi de là? Il m'a flingué un cristal. Je vais le déglinguer, hein. Il a pas fait l'action et du coup, bah ça me manque encore un cristal. Je vais te défoncer. Oh ouais, il est redevenu normal. Puis la faim et puis oh là là et puis il casse les pieds quoi. Bah ouais, écoute, essaie de parler à une plante, ça t'occupera peut-être. À une ou deux, hein. Peut-être qu'il y en a une qui sera plus causante que l'autre. Bah voilà, nous revoilà repartis avec les trésors omnisquins, hein, parce qu'il nous en reste encore beaucoup. Quelle honte. Magnifique ce masque en or. Oh, et nouveau fossile trouvé là. Une empreinte de plante fossilisée. Il nous en reste que 3, dont un Savadorada. Je pense que ce sera la prochaine collection complète, hein. Bah il est crevé. Mais bon, je lui ai prévu quelques petites actions quand même, avec des creusages, tout ça, tout ça. Et voilà, nous avons notre pêche raffinée qu'on pourra enfin incorporer dans la relique de l'observateur de Totekayama. Mais avant, il va aller creuser. Peut-être qu'il nous trouvera des petites choses. Et il ira piquer un roupillon parce que ça évitera qu'il ne flingue encore un cristal. Même pas le temps d'aller sur son canapé qui s'est écroulé. T'es nul, Ayo. Oh, mais je préférais quand t'étais un squelette, hein. Au moins, t'étais moins relou. Allez, tu me creuses ça, tu me trouves quelque chose d'intéressant pour les collections. Un fossile, c'est bien. Un petit métal, un petit cristal. Je suis pas très regardante, n'importe lequel fera effet. Ah non, c'est une capsule. Oh, je déteste maintenant quand je le vois s'exciter pour une connerie comme ça, c'est peut-être qu'une capsule. Un pleuronium, mais c'est trop bien ça. Alors, Ayo, et une pièce de robot. Bon, allez, rentre à la maison, va. Tiens, tu vas me regarder les diamants pour les Sims. Ça te motivera peut-être à trouver des cristaux. Du coup, on va encore extraire le fossile, un bidule fossilisé. Tu vas envoyer ça au conseil de géologie. Et puis, c'est bien bidule fossilisé. Qu'est-ce que c'est? Ah, oh, c'est un. On l'a déjà. C'est un Plumbob. Il est déjà là. T'es énergisé maintenant? Tu voudrais pas aller faire un. un tour en. De jogging, non? Ça ira? Allez, tu vas te prendre une petite douche et puis tu iras te coucher pour de bon. Eh ben non. Oh bah tiens! Qui c'est qui arrive à la maison? Erika! Ta petite amie qui ne l'est pas vraiment. En tout cas, elle vient chercher un bout de toi. Voilà, tu vas l'inviter à rester dormir et puis tu vas pouvoir lui chanter une chanson et lui faire des petits mamours, mon petit. Oui, comme ça, il est content, ça lui fait du social. Allez, tu vas. Oh la copine, oh la coquine, tu vas lui envoyer un baiser et puis vous allez faire cric-cric. Voilà, un petit cric-cric, ça fait toujours du bien. Ah, c'est sûr que pour ça, t'as plus d'entrain que pour aller creuser hein, sous la flotte, hein, Ayoma. On se demande pas pourquoi. Allez, bon amusement. Meuf. Je veux pas te vexer, mais je crois que ton programme, il est fini, en fait. Pourquoi? Tu veux nous mettre le feu, là? Qu'est-ce que tu fais? Mais je crois que ton émission, elle est finie, là. Ils ont fermé pour la nuit, là. Oh non, c'est l'hiver! Déjà. Bon, Yoway s'est levé, il a dit, ouais, mais attends, moi, je pue, hein. Vas-y, hé, tu les connais pas, les Flaubert, toi, ça se voit, hein.
Bon, bah, j'en profite qu'il soit de bonne humeur pour aller creuser dans le coin. Ah, oh, regardez-moi ça. Là, là, ça. Le petit cristal. Je dis ça, mais bon, à part les pièces de robot, c'est qu'il me trouve des trucs. Hein. M'a trouvé ça, m'a trouvé ça. Un petit baconite. Bon, les pièces de robot. Un petit Ozinold. Non, ça va quand même, je suis contente. Je préfère qu'il me trouve des métaux. Et une hématite. Tu es formidable. Et un romantium. Et une pièce de robot. Qu'est-ce que c'est que ça, un romantium? Ah, c'est un métal. Super. Puis, on est déjà dimanche, quoi. C'est-à-dire que demain, on va pouvoir retourner dans la jungle. Déjà, parce qu'il s'est passé 2 semaines entre le dernier voyage. Donc, qui dit demain, dit bah, l'épisode de la semaine prochaine, quoi, évidemment. Donc, comme ça, on marche bien. Plusieurs épisodes dans la jungle, plusieurs épisodes à la maison. Je pense aussi qu'après les prochains voyages dans la jungle, je changerai la maison. Elle sera modifiée parce que, regarde, on est quand même monté à 41 000 simflous de côté. Et je pense que ça va monter encore un petit peu. Du moins, j'ai pas réussi à trouver tous les trésors. Je pense que j'en chercherai encore quelques-uns, mais je ferai pas les sites de fouilles à Selvadorada. Histoire de, bah, de trouver toujours plus, quoi. Du coup, je vais faire un peu bosser sa logique. On est à 5, presque 25. Ce serait cool qu'il augmente un peu. Bon, il a pas non plus très beaucoup augmenté en fitness. C'est pas grave, je pense que ça... Mais joue, espèce d'idiot! Il est bête lui. Moi je le regarde faire et il fait rien. Mais je pense que je lui achèterai tout ce qui est machine et tout ça pour le sport. Ce sera beaucoup plus simple et plus rapide. Hey, tu vas y arriver au niveau 6 là. Il nous reste 20%. Vas-y mon petit, vas-y. Bon, petit peu de jardinage à la place. Non, ça t'intéresse pas? Non, pas une bouture. Je fais... Enfin si, tu peux prendre une bouture, mais tu fais des recherches aussi. Soit aussi tu peux prendre une bouture. Ça va faire monter. Mais non, mais il est encore tombé par terre. Mais c'est quoi ce mec? Oh bah Erika, elle vient vraiment quand t'es crevé quoi. Elle est relou un peu aussi. Me feras-tu le plaisir? Eh ben non, même pas. Mais même pas, j'ai même pas le temps de parler qui dit... Nope. Non mais me fais-tu ce plaisir quand même d'arriver aux 6 points de logique? Non. Iowa, allez. Mais t'es chiant! Joue! Allez! Mais oh là là! Casse-bonbon! Il veut pas, hein? Si tu veux, tu peux lui parler! En même temps! Voilà, regarde, tu vas discuter d'énigmes logiques, ça va faire avancer! Eh ben non! Non, non, ben non! Vas-y, 91%. Ouais, vas-y, tu peux lui chuchoter des mots doux aussi, mais pendant ce temps-là, tu lui... 95. Allez, Ayowa, tu vas la complimenter pour faire un peu de charisme. Tu vas discuter d'énigmes logiques, ça va nous remonter très très bien. Ensuite, tu vas lui complimenter l'apparence. Parce que c'est vrai qu'elle est quand même mignonne, ça va quoi, on va pas cracher dessus. On est à 100%, ok, allez, et une dernière, tu vas recomplimenter la tenue. Allez, t'inquiète, tu vas y arriver mon petit, je crois en toi. Et discuter d'énigmes logiques et on arrivera au niveau 6. Yes, niveau 6. Mais qui c'est qui vient? Mais non. Mais pas à minuit et demi, madame. Allez, va faire crac-crac avec Erika. Hein, parce que demain, tu t'en vas. Et puis, ce sera dommage. Vous n'allez pas vous voir et faire des choses pendant une semaine. Pour certains, ça paraît intenable. Allez, c'est sur cette petite partie de jambes en l'air que j'espère il arrivera à faire correctement, vu dans quel état de fatigue il est, que moi je vais vous laisser. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. L'épisode prochain se retrouvera dans la jungle encore une fois, avec, j'espère, plusieurs temples. On va essayer en tout cas. Je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma chaîne, surtout si vous voulez m'aider à me faire connaître. Des très gros bisous à vous. À très bientôt. Ciao.